Salut tout le monde, alors je suis rentré de la Japan Expo qui était en Belgique, qui s'est tenue du 1er au 3 novembre. Alors j'étais vendredi, j'étais à 9h du matin, donc à l'ouverture, et j'y suis resté jusque 17h, donc voilà. Alors oui, je fais cette vidéo seulement aujourd'hui, mais hier j'étais pas très bien, donc j'ai pas su la faire. Donc je la fais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette Japan Expo 2013? Alors déjà, il y a plein de gens sympathiques. Il y a du cosplay absolument magnifique. Il y a des trucs que j'ai bien aimé de cosplay, par exemple le Slenderman qui se baladait, le type avec la guitare en carton qui était un peu flippant, mais qui est bien foutu comme déguisement. Et surtout les filles déguisées en cosplay, c'était génial. Mais aussi une petite préférence pour le Minecraft Bomberman. Ça devait pas être pratique toute la journée de se balader comme ça. Mais bon, c'était marrant. Alors, un autre truc que je retiens, c'était Link the Sun du Poids Culture, qui était leur dédicace, ainsi que Mathieu Sommet de Salut les Geeks. Il y avait Noob, la Flanders Company. Et il y avait aussi Raconte-moi un manga que je connaissais pas vraiment, donc voilà, je vais essayer de m'y mettre pour un peu voir ce que ça donne. Alors, ensuite, j'ai rien acheté. Cette année, l'année prochaine sûrement. Alors, par contre, j'ai eu un super t-shirt avec Mario dessus, enfin, que j'ai changé. Et alors, j'ai eu aussi des drapeaux Assassin's Creed 4 qu'on distribuait lors du tournoi de jeux vidéo. Alors, oui, j'y viens. Donc, il y avait un tournoi de jeux vidéo organisé par une organisation qui s'appelle Pixel Barbecue et qui était génial. Il y avait plusieurs tournois, il y avait un tournoi Street Fighter, Alpha, et il y avait un tournoi Mario Kart, où j'ai fini en finale, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fini en finale. Voilà. Alors, pour les prochaines conventions, peut-être que je serai à la Made in Asia en mars, et peut-être à la Japan Expo de Paris, en France. Et que, voilà. Mais il faut voir, je verrai bien mon planning, mon emploi du temps, je verrai bien si j'y vais ou pas, je verrai bien. Mais en tout cas, la Japan Expo en Belgique, j'y retournerai sûrement. Je tiens à remercier les participants qui sont venus avec moi, qui ont bien voulu m'inviter. Voilà, et ben, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je pense savoir ce que ce sera, ouais. Mais je ne sais pas quand. Donc voilà, ben, portez-vous bien et à la prochaine.